Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Paladingue et nous allons en ranked jouer barrique fortification. On me laisse pas jouer support, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va jouer barrique. Alors barrique c'est pour moi le meilleur tank point du jeu à l'heure actuelle si on veut vraiment faire beaucoup de dégâts. Si on veut vraiment rester sur le point et jamais crever, c'est plutôt dans le dos. Mais donc let's go. Salut Calcifer, oh, ça fait longtemps beau gosse, comment vas-tu? Calcifer c'est un modérateur de l'Iker TV. On est en direct sur l'Iker TV. Normalement 2022 ça sera toujours la même chose. Lundi 17h 20h Smite, 20h 23h Paladin, mardi pareil. Et mercredi c'est l'inverse, c'est 17h 20h les Game Viewers. Bon pas là parce que mercredi je ne suis pas là, je serai en famille. Je serai absent mais je vous prépare justement des vidéos pour YouTube. Mais passez de bonnes fêtes d'ailleurs. Cette vidéo je la sortirai quand? 23. C'est pas encore, le réveillon, pas encore Noël. Non, n'oubliez pas le réveillon, le Noël, ce n'est pas le 24, c'est le 25. À part quand on est à... Ok, on a essayé de me faire le cul là. Heureusement que le joueur français est là. GG le mec. Triple kill, il y a un... J'ai un drogo sur le cul. Ah mais y'a pas fait rien. Il est en haut, il est low. Ah, bien joué, très bon kill de Ruther. Faut que je fasse attention parce qu'il y a un Atlas en face et j'ai pas encore pris résilience comme un idiot. Là je vais aller tirer sur le Terminus qui croit qu'il va pouvoir avancer sans pouvoir faire le malin. Merde, je me suis fait cripple mais par quoi? Oh putain, j'ai pas de bol, je me suis fait cripple par le Grover. Pile au moment où l'Atlas me saute dessus, ah, c'est vraiment la poisse. Le Terminus a 5 HP. Attention, il y a besoin d'aide sur le Drogos qui fait ce qu'il veut. J'ai tué l'Atlas. Ah là, on a du temps. Ouais, j'ai les gars. Ouais. Non. Hey, man. On retouchera peut-être pas. Si, avec toi, tu peux peut-être retoucher, Tamir. Ouais. Ouais t'as l'outil, faut aller, faut retoucher, ils sont à 90, faut vite y aller. J'arrive, c'est bon tu peux lâcher, j'arrive. Derrière toi, Andrew Well. Oh non. Mais on a pas beaucoup d'alliés, ça va vraiment être dur. Ouais. Bien fait chill là pour protéger la caisse qui s'est fait rewind. Mais putain, mais oh là là, je crée tellement d'espace. J'ai le Grover sur la gueule, l'Atlas sur la gueule et ça suffit pas. Ah, la caisse était morte parce qu'elle est en haut. Pas vrai, il meurt. À droite, oh. Ils sont one. Oh, voilà, Ulti qui carry. Les gars, pour moi. On l'a pas de panne. Ah, ça, c'est bon. J'ai essayé de tuer le terme. Terminus c'est low, il est mort. Atlas. Oh là là, l'Andro qui tire que sur moi parce qu'il a aucune balls pour flanquer depuis tout à l'heure. Oh là là, il est fatigant l'Andro. C'est pour ça qu'Andro c'est un bon flanqueur, c'est parce que quand vous avez pas de couilles, vous pouvez tirer sur le tank point en boucle. Et ça fait beaucoup plus mal qu'une Eevee parce que le cadence de tir est pas la même. Hein. Il pourra pas toucher. Moi ouais, c'est lourd. J'avais trop peur qu'on se le prenne. Qu'est-ce qu'on fait, Grover? Bien joué.
Oh là là, Andrew est encore en train de tirer sur moi. Ouais. Mais pourquoi les gens avancent pas de notre équipe? Là il fallait avancer, ça va nous payer, ça va nous porter préjudice. Non ça va, la bump là, là il y a personne sur le point. On a de la chance, hein. Grover il doit y aller là. Il y avait peut-être moyen qu'il fasse quelque chose. Là c'est très bizarre, ils avancent pas, ouais, ça surprend moi et Ruther, parce que c'est trop bizarre que la Terra en profite pas pour venir mitrailler les gens alors qu'on tank pour elle. Non, on est mort beaucoup de fois, ouais. Ouais, je suis mort 4 fois, j'ai honte. 6 fois. Compliqué. Ils ont pas les mêmes réflexes que nous, on a forcément. C'est récupérer les positions rapidement, un truc comme ça. Merci pour le follow, bienvenue. Je pense que le problème, c'est que le Drogos va récupérer très très vite. Drogos d'ailleurs joue guérison mortelle, donc il faut que je lui mette des shots souvent pour qu'il ne puisse pas se régénérer sur les kills. Mais il va ulti, ouais, non, pas longtemps, je pense. J'ai touché l'endroit. Ça y est, il retire sur Mambo. Mais qui c'est qui tape sur le... Il y a le Drogos qui est derrière nous, hein. Drogos qui est derrière nous, qui nous défonce, ouais. Il a utilisé ses réacteurs, voilà, tu vas l'avoir. Terminus mort. Andro a repris la hauteur. Il est mort, il a voulu aller trop tuer. Andro a tué la Taïra, il est à gauche. Oh là, Andro, mais aucune couille, hein. Putain de merde, tape le tank point en boucle, hein. Vas-y mon gars. Il a pris l'arrière. Pour le gros vent. Il est. Eh oui, je suis là. Et oui, il se dit mais putain, mais qu'est-ce que vous le tank point là? Bah, je suis venu te chercher. Ah le cul quoi. Tu veux mon cul? Bah, je vais te le prendre aussi. Le filet, mais c'est pas gratuit mon cul, hein. C'est payant. Allez, désolé, mais c'est moi le meilleur Atlas du monde. Allez, ça retire sur moi parce que ça sait pas quoi faire d'autre. Putain de merde. Il est relou l'endroit. C'est Balrog, c'est un mec tank à la base. Ah, c'est pour ça? Ouais. Oups. J'arrive. Oh là là, mais t'as une unité censée. Ouais, je pensais elle s'est fait cripple. Ouais. Parce qu'elle doit pas jouer résilience la caisse pour moi encore. Ah, elle a pas compris encore. Oh, l'Atlas a 5 HP, mais il a réussi à réveiller. Le Grover est sur mon cul, je sais pas ce qu'il a. Ah, mais il y avait le wall d'Atlas qui est très très puissant. Ouais, du coup. Oh non. Où est le Grover? Atlas est dans notre dos. C'est bon. Andro. Faut que je fasse où? Ah, Andro Wine. Bien joué. Atlas est dans notre back, mais il vient de mourir. Toi, t'es mort, mon grand. Toi aussi, t'es mort. Bah, faut le délai. Faudrait peut-être depuis un moment, voilà. On l'a délai kill. Le petit délai kill de 2-3 secondes qui fait le taf. Et on a Atlas qui veut mourir là. On a un Atlas. Ah! Mais y'en a marre, mais laissez-moi tranquille, j'ai rien fait, je suis un nain. Oh non, oh non, j'ai raté le shot. Je suis désolé. Oh là 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 là, mais quelle équipe de France de football! Et boum, ça dégage. Y'en a marre. Oh là 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 là. Vous voyez pourquoi Andro est considéré comme toujours un flanc utile? Parce que c'est ce côté-là, c'est sur le tank point, parce que voilà. Alors, vous devez pas tout le temps faire ça, mais faire ça souvent. Et souvent, les gens me disent, mais Iker, toi, quand tu flanques, tu fous le flanc, tu vas tout le temps essayer de tuer la backline, t'es rarement sur les tanks. Bon, je suis quand même de temps en temps sur les tanks, ça m'arrive, hein. Mais c'est comme ça que vous finissez avec énormément de DPS avec un flanqueur, c'est quand vous passez, parfois vous flanquez, parfois vous tapez le tank point, parfois vous flanquez, parfois vous tapez le tank point.
Voilà. C'est comme ça que vous pouvez faire des flanqueurs à 100k DPS. Si vous êtes juste quelqu'un qui tue des persos fragiles, bah vous pouvez pas avoir un gros dégât à la fin de la partie. Oh merde, il m'a freeze avec Atlas, je suis dans la merde. Oh, il m'a freeze une deuxième fois. Il m'a sauvé la vie. Oh, c'est magnifique. Merci Atlas. Meilleur move de l'année. Meilleur move. Élu joueur de l'équipe de France. Oh là, change d'équipe, mon pote. Change d'équipe, viens chez nous. J'avoue, c'est... pas fait de suite. Et là, du coup, impossible pour eux de retouch, en plus j'ai mon ult. Non, y'a Atlas. J'ai pas réussi à faire tomber, il a bien joué. Ils vont retoucher. Y'a Terme qui arrive. Y'a Terme qui arrive. Gros verre, c'est important. Non, j'ai pas réussi à le toucher, Atlas a sauvé son équipe. Drogo's un HP. Dans les escaliers. Adverse. Vu qu'il y a pas de... Ouais. Bien joué. Tu vois, j'avais raison. Oh, le call. Bien vu, merci. Ah, il y a Atlas. Ah non, il a rewind. Il est mort. Tue-le. Oh là là, mais on nous volera pas la win. On ne nous volera pas la win. T'arriveras trop tard. Ah non, il arrivera à temps. Ouais, mais non. LOL. Atlas, move de génie. Ah, le double freeze sur le baruc. Alors, on rappelle, les freezes avec un Atlas, c'est pas terrible sur le tampon. Alors, oui, je l'ai. Non, je l'ai pas fait dans la vidéo ranked baruc. Oh, on m'a kick du jeu. Moi, je suis trop fort. Ah non, c'est bon. Et ben voilà. Oh, on va rien dire, on dit rien. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. On a joué le petit Baric qui se fait dégommer. Et regardons justement les dégâts du Andro. Regardez, 68 000. Vous voyez, il est top dommage grâce à cette mécanique. Et il a fait une bonne game quand même, ça va. Mais et notre ami Ruther a fait une bonne game aussi. On additionne les deux. Il est à 30, il est devant moi. Je suis à 29. Bravo à toi. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Et je vous dis à plus tard. Ciao. Mort de rire, ta chance incroyable. Eh oui, là c'était... c'est le talent.